magasin taille-bois, c'est vraiment le cœur d'activité, c'est le bois. Ça va être des structures, ça va être de la terrasse, du bardage et du parement principalement. Merci. Tout ce qu'il vous faut au niveau outillage pour pouvoir travailler le bois. Bon, il faut préciser que c'est une matière noble qui a encore le vent en poupe. C'est surtout une matière vivante et éco-responsable dans le sens où on travaille uniquement avec du bois transformé en France. Et surtout, c'est un matériau vivant qui demande un traitement, qui demande une certaine habitude, un certain savoir-faire, savoir-vivre, mais qui permet de vous suivre tout au long de votre vie. Bon, c'est vrai que Taille-Bois a un magasin qui est très récent. Alors c'est un magasin en effet qui a été ouvert il y a un an et demi pour répondre en fait à une demande dans une vallée qui se désertifie au point de vue outillage, au point de vue quincaillerie. Et le but c'était de pouvoir fournir aux professionnels et surtout aux particuliers un matériel de qualité. Alors qu'est-ce que vous proposez à la vente, à vos clients? Alors tout le matériel, donc le bardage, le parement, la terrasse et toute la structure qui peut aller autour, mais surtout la quincaillerie, donc des clous, des vis de qualité professionnelle, donc non accessible dans d'autres magasins du même type, et tout l'outillage qui vous permet donc de travailler comme un vrai professionnel. Bon, la crise et la guerre contribuent fortement, malheureusement, à l'augmentation du prix des matières premières. J'imagine que vous êtes impacté comme tout le monde. Alors, on est impacté. L'avantage qu'on a, c'est qu'on travaille vraiment avec du bois français ou transformé en France. Donc, au niveau qualité et quantité, ça va à peu près sur les essences locales. Et au niveau métaux, on travaille donc avec des entreprises européennes proches de nous, donc on est relativement un peu impacté sur le métal. Malheureusement, on est impacté comme tout le monde sur les prix. Alors, quelles sont vos méthodes de production? Qu'est-ce qui fait la marque de fabrique Taille-Bois? Alors la marque de fabrique Taille-Bois, ça va être des structures à l'ancienne, une façon de travailler qui a été établie par plusieurs générations dans la vallée et plusieurs générations de personnes qui travaillent avec nous. Et donc c'est une fabrication, une construction intelligente avec le moins de gaspillage possible, le moins de travail possible sur le bois et un assemblage le plus simple possible. On vous mise sur la qualité. Oui, comme je le disais, avant tout c'est une qualité professionnelle ouverte aux particuliers. Le but c'est de pouvoir avoir le même résultat qu'en passant par des professionnels mais en le faisant vous-même. Bon, le service après-vente est un de vos atouts, j'imagine. Alors on essaie d'être le plus réactif possible, c'est vrai qu'au moindre problème de qualité, comme je le disais, le bois est un produit vivant, on intervient le plus rapidement possible, on vous échange ce qui ne va pas et on fait tout pour que vous soyez le plus satisfait possible. Bon, en été, qu'est-ce qui marche le plus? La demande est très forte dans quel domaine? Bah, comme pour tout le monde, l'été, le plaisir c'est d'aller dans la piscine ou forcément toute la terrasse bois. Mais ce qu'on aime aussi avoir, c'est une belle devanture de maison. Donc le bardage se vend et se pose très très bien en été. Donc de ce côté-là, c'est vrai que la demande explose. Alors, vous êtes situé au cœur des vallées. C'est un handicap dont vous faites une force, on a l'impression. Bah, le but justement, c'était de s'implanter en plein milieu d'un endroit où il n'y a plus rien. Actuellement, la plupart des magasins ont été désertés, la plupart des entreprises se sont délocalisées. Ceux qui restent, on sait qu'ils travaillent bien, on aime travailler avec eux et on veut pouvoir leur proposer du matériel de qualité, d'où le lieu d'implantation. Alors, c'est combien de salariés au sein de votre structure? Alors, la structure compte à peu près une trentaine de salariés. On cherche toujours à s'étendre, on cherche à trouver du monde, ce qui n'est pas évident dans notre domaine, malheureusement. Nos collègues et nos clients peuvent en témoigner, mais on a un savoir-faire et on a une qualité de travail qui fait qu'on arrive à avoir pas mal de monde. Ouais, vous cherchez toujours à vous développer, c'est une sorte d'opération séduction pour trouver du personnel, comment vous faites? Alors pour trouver du personnel, on essaie de les démarcher le plus souvent par Pôle emploi, des structures qui existent déjà, sinon bah, on va les chercher en école, on leur propose des stages, propose de découvrir l'entreprise et si jamais ça match entre eux et nous, leur proposer un emploi à plein temps en CDI. Vous avez eu des subventions de la part des collectivités Alors, dernièrement? Pour la partie magasin pur et dur, non. Par contre, pour la partie taillage bois, structure et tout le reste, oui, en effet, on a eu des subventions qu'on souhaite faire découvrir lors de la journée porte ouverte qui se tiendra mi-septembre. Alors, quel sera le programme de cette grande journée porte ouverte? Alors, le programme de cette grande journée porte ouverte, c'est de faire découvrir notre entreprise, surtout la partie magasin, faire découvrir tous les produits qu'on peut fournir, tous les services qu'on peut fournir, et surtout bah, montrer que les subventions qui nous ont été données ont été rendues sous la forme
de matériel permettant de produire du bois de qualité à des prix corrects. Alors, faut savoir que ici, vous travaillez le bois, c'est ça, vous assurez les finitions au sein de vos ateliers. Quelles sont les missions de vos salariés? Alors, ça va être de la menuiserie et ébénisterie à un niveau industriel, c'est-à-dire qu'on a des machines pour le rabotage, pour les chanfreins et pour les encoches, mais le gros du travail est encore fait à la main par des opérateurs. On voit beaucoup de sur de bois, vous vendez du bois de chauffage également, expliquez-nous. Alors, on ne fait pas le bois de chauffage, on a un fournisseur pour du pelé qui va bientôt arriver. On sait que c'est la crise aussi de ce côté-là, malheureusement, risque de pénurie cet hiver, mais nous ne fabriquons pas ces parties-là, on laisse ça à des personnes qui sont faites pour ça.